3, le voilà. Présenté par Nicolas Landon, Néo d'Anjou, tout près d'ici dans le Maine-et-Loire. Il s'appelle Cagnum, c'est un fils de Jette Loaïve avec une mère par homme de loi. La famille a battu à une souche qu'on a bien connue, Blanville, Échiquier Royal, Playing. Le baron de Bourgoin. Le baron de Bourgoin, c'est la sorcette, c'est la souche du baron de Bourgoin. On va marcher s'il vous plaît. On va marcher s'il vous plaît. Mais il y a quand même du baron de Bourgoin là-dedans. Derrière. Ah, pardon, je... L'aristocratie, ça me dépasse. Alors, quel bien qu'on va faire marcher. Présenté donc par Nicolas Landon, un fils de Jette Loaïve. Alors, Jette Loaïve, qu'on a applaudi à tout rompre à travers le succès de son fils d'Island dans le Grand Cross de Cheltenham au mois de mars pendant le festival, donc sous la scène de Jonathan Plougani, du Plouganou et l'entraînement de David Cotin. La mère Césine a gagné 5 courses, hein, quand même, c'était une sacrée journée de course. Elle a gagné le premier côté de la Vichy. Son premier produit à gagner également, c'est Giseux, un fils de Spanish Moon, elle le présente ici. Son quatrième produit par Jette Loaïve. Entre temps, elle a eu une semaine de tête de et un mal de cassé du berret. Quant à la grand-mère Morava, par Perrault, un bon étalon. Elle a gagné une fois en plat, mais aussi une fois en obstacle, et surtout, elle a fait la redoutable Armada, l'invincible Armada. Elle est au trot, s'il vous plaît. On va trotter, s'il vous plaît, au trot. Notamment dans le prix Patrice Lair, le grand cross de Saumur. Allez, au trot maintenant. Lâchez. Mon chien. Allez-y, trottez. Alors évidemment, ensuite le concours est un petit peu plus tard que d'habitude dans la saison et que là on a des faux, le mâle âgé, donc les tréteaux, ils sont quelque peu indisciplinés, hein, ces petits faux. Regardez, bah, il est parti. Voilà, ça va être l'heure du sevrage bientôt parce qu'il est né par exemple, vous voyez, le 28 mars, donc il a quasiment 6 mois. Donc j'imagine que juste après ce concours, il va être sevré.